Hulot a plutôt tendance à repérer les vieux arbres sénescents qui sont sur une phase de mortalité avancée et qui vont avoir des creux à l'intérieur du tronc. Donc c'est vraiment sa zone idéale pour se nicher. L'effraie est typiquement dans des bâtiments, mais elle peut vraiment être dans des bâtiments qui sont utilisés, type une église. Ça la dérange pas d'avoir les cloches qui lui pètent la tête toute la journée.